Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous savez, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, je sais que vous attendez tous la troisième partie pour ceux qui m'écrivent de la bourse de la Roumanie. Mais j'ai reçu cette bourse-là, j'ai reçu cette information-là, donc je voulais vous partager cela rapidement pour que ceux qui sont vraiment intéressés puissent postuler à cette bourse. Voilà, donc ça concerne les étudiants du master, voilà. Donc Académie du droit international humanitaire et des droits humains. Donc pour ceux qui sont fans de la littérature et tout ça, je crois que cette bourse-là vous concerne. Donc je rappelle très bien que c'est pour le master. Donc comme je disais, il fait cette bourse-là juste en termes de série pour que vous puissiez postuler un peu plus rapidement. Donc c'est une bourse, c'est juste une information que je voulais vous donner. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, essayez de postuler. C'est une bourse qui me plaît très bien. Voilà, cette bourse-là, elle est totale, elle est aussi partielle et tout ça, mais c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Voilà, si vous voulez une bourse partielle, ou bien si vous voulez seulement une admission, ou bien si vous voulez une bourse complète. Voilà, donc, arrivé là, vous allez venir ici, je vais mettre le lien en commentaire, comme ça vous allez pouvoir postuler un peu plus rapidement. Donc, vous allez cliquer sur Start Application ici. Voilà, je ne vais pas trop aller en profondeur. Voilà, vous-même vous allez voir dessus et puis vous allez essayer de postuler. Mais néanmoins, je vais montrer un peu le programme d'abord. Ici, je vais montrer un peu le programme. Et comme ça, vous allez voir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir le faire, pour pouvoir postuler. Voilà. Donc ici, comme vous avez bien vu ici, l'application a commencé depuis le 29 novembre 2021 et ça se termine le 25 ici. Ça, c'est la fin de l'application. Mais en ce qui concerne la bourse, si vous allez postuler et que vous voulez postuler à la bourse finit le 28 janvier 2022. Voilà, donc pour ceux qui vont vouloir postuler, sachez que la bourse est le 28 janvier 2022, mais l'admission elle-même de l'application c'est le 25 février 2022, parce qu'il y a d'autres qui vont choisir aller étudier dans cette université de leurs propres moyens et tout ça. Donc ce sera à vous de voir. Donc une fois que vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur Start Application ici. Voilà, vous cliquez sur Start Application et ici vous allez trouver cela. C'est ce que je disais, vous avez trois choix. Donc ici c'est pour les bourses partielles, ici c'est pour une bourse totale et puis ici c'est sans bourse. Donc ceux qui veulent juste des admissions et aller étudier de leurs propres moyens, vous pouvez cliquer là. Mais comme je le sais, comme c'est une plateforme de bourse, c'est-à-dire mon compte YouTube c'est pour des bourses, alors nous allons prendre bourse au total. Donc vous cliquez sur Withdrawal Scholarship. Donc ici vous allez commencer à remplir vos données. Voilà, donc vous remplissez vos données et lorsque vous finissez là, vous allez, c'est-à-dire regardez ici, vous allez soumettre. Voilà, il y a éducation, vous allez mettre vos éléments et tout ça. Donc on va essayer de le faire ensemble, comme ça ceux qui veulent postuler puisse au moins le faire. Donc je vais essayer de faire ça une seule fois pour ne pas subdiviser en plusieurs vidéos. Donc vous suivez un peu pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Donc ici on a le first name, voilà, le nom, ici le nom de famille. Ok, donc je vais mettre en français comme ça. Ok, donc le prénom, je vais prendre le prénom, je vais prendre un prénom comme ça comme d'habitude. Et puis le nom de famille, ok, le genre homme, ok, la date de naissance si je vais pour le master, donc je considère que je suis né en 2000, en 2002. Donc ici, en 2002, donc ici, je vais choisir 2002, février, le 29 février 2002, la ville de naissance, je vais mettre comme ça, Abidjan. Ok, pays de naissance, je vais mettre Côte d'Ivoire.
Ok, province de naissance. Je vais mettre toujours Abidjan. Ok. Donc, nationalité ici, vous mettez Ivoirienne. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez postuler à cette bourse-là. Parce que moi, je n'ai pas fini. Voilà, c'est juste une information que je vais vous donner. Et si vous voulez postuler, vous allez pouvoir le faire vous-même. Voilà, donc une fois que vous finissez là, vous allez soumettre et c'est tout. Donc, ok. Et voilà, rue, je vais mettre la rue, peut-être je vais mettre ici. Rue. Ok, numéro de rue. Code postal. La ville, Abidjan. Si vous remplissez que vous avez besoin d'informations et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez me faire signe. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe. Donc ici Côte d'Ivoire, le pays. Ok. Ici téléphone fixe. Regardez très bien où il y a la série. Ça veut dire que c'est vraiment important. Téléphone, c'est pas la peine qu'on mette. Le numéro de téléphone, je vais mettre 0225. Ok, le mail, c'est ce qui est important. Donc, n'oubliez pas, cette bourse, ça c'est une bourse suisse. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez me contacter une box. Je vais essayer de vous aider. Donc, essayez de voir si cela vous arrange. Vous pouvez contacter une box et puis on va gérer ensemble. C'est une bourse suisse, c'est une bourse qui me plaît très bien. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, je vous conseille cette bourse-là. Essayez de la postuler. Donc, ici, adresse permanente, rien et tout ça, c'est pas la peine. Pays Côte d'Ivoire. Téléphone fixe, email, pays email. Si vous voulez, vous ne mettez pas, mais on va essayer de remplir ici, Côte d'Ivoire. Ici le mail, je vais répondre mon mail. Ok, après ça. Ici, considération médicale physique auditique. En cas d'échéance, veuillez décrire votre condition médicale, allergique, les troubles. Cela n'affectera pas la sélection, mais permettra à l'institution d'accueil. Ça, c'est pas la peine. Rien à signaler. Sécurité sociale suisse depuis 2011. Le numéro d'inscription, ça, c'est pas la peine. Si vous n'avez pas de numéro AVS, un numéro sera attribué par l'Université de Genève. Une de nos institutions, mais veuillez fournir les informations suivantes dans le cas où vous n'avez pas. Ok, donc nom, nom de famille du père. On va venir moi chercher voir notre nom ici. Nom de famille du père, on va mettre ce qu'il y a là aussi pour que ça soit un peu plus familial. Voilà, nom de famille du père. Le prénom du père. Ok. Nom de famille de la mère. Le prénom.
Valentine, comment avez-vous connu ce programme de master? On va mettre comme ça. Site de l'Académie de Genève, newspaper, Twitter, Facebook. Facebook, ok. Si autre précisé, c'est pas la peine, on finit, on se met. S'il y a des éléments qu'on n'a pas remplis, ils vont nous dire de le faire et on va le faire. Mais pour le moment, ce n'est pas un souci. Donc, une fois que vous finissez, vous voyez ce qui est là est activé, vous allez remplir ça aussi. Et une fois que vous finissez, vous allez passer à relevant work experience. Après, vous allez finir, vous allez venir sur référence, language proficiency. Vous allez venir ici et jusqu'à attache de documents, c'est-à-dire vos diplômes et tout ça. Vous comprenez? Ça, c'est une lettre de motivation. Les lettres de motivation, on peut aussi vous écrire des lettres de motivation. Voilà. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, je vais pas faire une longue vidéo parce que si je dois faire une longue vidéo, ça sera vraiment hyper, hyper long. Donc, lorsque vous voulez remplir, lorsque vous finissez ce qui est là, par exemple, lorsque vous finissez de remplir, vous allez mettre submit ici. Ils vont ouvrir la partie, la suite ici. Ils vont ouvrir ça. Vous allez finir de remplir aussi. Vous allez mettre submit. Ils vont ouvrir les références. Voilà, vous allez remplir tout ce qui est là, tout ce qui est déjà barré. Vous allez remplir tout et vous allez soumettre votre dossier pour examen et pour la bourse. Vous comprenez? Voilà. Donc, ceux qui sont vraiment très intéressés, vous pouvez nous écrire inbox ou bien si vous voulez postuler vous-même, vous postulez et s'il y a des questions, vous écrivez en commentaire. Je vais essayer de répondre pour vous indiquer un peu comment est-ce que vous devez faire. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo, une parenthèse avant de reprendre la vidéo sur la bourse de la Roumanie. Donc c'était juste ça, les gars. Et puis à plus, les gars. Surtout, n'oubliez pas, bonne fête à vous aussi.